Donc le retour du ballet du Grand Théâtre dans ses murs, place de Neuve, il fallait trouver un spectacle emblématique et extrêmement fort. Ça fait quelques années que, en tout cas concernant Eric Ilian, la dernière fois qu'on a fait ce type de programme, c'était en 2007. Glory de Foniadakis, qui a été créé en 2012, j'entends souvent une envie, parfois même un besoin, on a envie de revoir évidemment Glory qui a été créé chez nous, mais des ballets de Kilian. Donc ça me semblait tout à fait pertinent et adéquat pour le retour du ballet dans ses murs, de concevoir un programme avec Glory et deux ballets de Kilian qui sont deux de ses chefs-d'œuvre absolus, que sont Bella Figura et Petite Mort. Il y a aussi une cohérence musicale, Handel, Mozart, Pergolèse. Donc on est aussi dans un univers musical extrêmement fort, extrêmement sensible. Et puis quand même, trois ballets, trois chefs-d'œuvre. Il y a le maître, Kilian, et l'élève qui a trouvé sa place aussi dans la chorégraphie au niveau international.